Bueno, vamos a, a dar inicio a nuestra audiencia. Es la audiencia número 5 de este 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión. Lleva por título Violencia y Seguridad en el Contexto de las Procesas Sociales en, en Haití. Ha sido una audiencia solicitada por el Bujó de Sabocán Antagnación y el Institute for Justice and Democracy. Eh, eh, agradecemos aquí, reconocemos la presencia tanto de las organizaciones solicitantes y también le damos la bienvenida a los eh, representantes del Estado. La dinámica de nuestra eh, eh, audiencia eh, es como sigue, les daremos los primeros 15 minutos a los solicitantes para que hagan su presentación. Inmediatamente eh, después, los representantes del Estado tendrán hasta 15 minutos para hacer su respuesta. ¿Es que vos sabés el Taco. Alors, je vais ré répéter ce que j'ai dit. canal nuestro. Flavio, ¿cuál es? Es el 2, ¿no? 2. 2 o 4, no sé. Okay, voy a repetir, ¿sí? Bueno, bueno. Les damos la bienvenida a las organizaciones solicitantes de esta audiencia. Eh, estaba explicando la dinámica de la audiencia, van a tener hasta 15 minutos las organizaciones solicitantes para presentar sus puntos de vista. Las eh, autoridades del Estado tendrán otros 15, 15 minutos y, acto seguido, los miembros de esta mesa eh, haremos nuestras preguntas u observaciones para que al final cada una de las partes tenga siete minutos para hacer eh, su réplica. Voy a agradecer su comprensión por el manejo estricto del tiempo. Yo iré anunciando con estos carteles cuando se vaya este, acercando el, el término de su, de su intervención. Les rogamos que al momento de presentarse cada uno de los oradores este nos indique su nombre y la organización que representa o la autoridad en la, la cual ustedes trabajan. Mm, me permito presentar a los miembros de esta mesa, me acompaña la comisionada Flavia Piobezán. Ella se encuentra aquí en su carácter de relatora de la CIDH para Haití. También está presente el comisionado Luis Ernesto Vargas y se encuentra también con nosotros eh, el doctor Edison Lanza, quien es el relator especial para eh, libertad de expresión. Dicho esto, tiene la palabra hasta por eh, 15 minutos eh, los solicitantes. Monsieur le Président de la Commission, euh, Madame, Messieurs les membres de la Commission, euh, Madame, Messieurs les représentants du gouvernement haïtien, euh, je suis euh, Sonnel Jean-François, ancien euh, juge d'instruction affecté à la cellule de traitement des infractions euh, financières. Ancien directeur général de l'unité centrale de renseignement financier d'Haïti. Euh, actuellement, je suis avocat euh, du barreau de Port-au-Prince. Je travaille euh, avec euh, le bureau des avocats internationaux euh, sur euh, euh, des dossiers de euh, violation des droits humains, euh, dont le plus important, c'est le dossier de la Saline. Euh, Qu'il me soit permis de vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de vous euh, entretenir au sujet euh, des droits humains en Haïti et au sujet des violations des droits de l'homme liées euh, au dossier Petro-Caribé. Tout d'abord, je ferai une mise en contexte. Ensuite... Euh, et je parlerai de la réponse des autorités haïtiennes euh, euh, aux allégations de corruption, euh, surtout euh, liées au dossier Pétro-Caribé. Enfin, euh, je parlerai des conséquences de, euh, des violations des droits humains et des les conséquences euh, de la corruption sur les droits humains en Haïti. La délégation présumée du Fonds Pétro-Caribé. Euh, à côté d'une série de dénonciations de faits de détournement de fonds et de corruption comme l'affaire Dermalog, l'affaire des kits scolaires impliquant la première dame de la République et l'ex-ministre des Affaires sociales monsieur Roussel Bellevue et j'en passe demeure le plus grand scandale ayant éclaboussé l'élite dirigeante haïtienne ces dernières années elle constitue également des violations flagrantes euh, des droits humains en Haïti, surtout des violations aux droits économiques et sociaux des Haïtiens. En quoi consiste en fait euh, -Cari le dossier Pétro-Caribé? En février-mai 2019, la Cour des comptes a produit deux rapports d'audit sur la gestion du fonds pétro-caribé qui ont révélé que les projets euh, n'ont pas été mises en œuvre de façon efficiente, efficace et économique, qui ont également mis en évidence des inégalités graves dans la gestion de ce fonds et des indices de concussion, de détournement de fonds, de vol, de malvaisation. Donc, une vaste opération de dilapidation. Ce rapport qui a confirmé les conclusions de deux rapports sénatoriaux, engage la responsabilité de 15 hauts fonctionnaires des administrations du président René Prival et du président Joseph Michel Matéli, ainsi que la responsabilité de l'actuel président de la République, M. Jovenel Moïse. Donc, comment, en fait, l'administration Moïse a-t-elle réagi aux diverses allégations de corruption, surtout aux dénonciations relatives à la dilapidation du fonds Petro-Caribé et réponse, comment ils ont réagi D'abord, il y a l'administration Moïse. Au cours de sa campagne électorale, le président Jovenel Moïse n'a pas cessé de clamer au effort qu'il allait faire de la lutte contre la corruption et du renforcement des institutions deux de ses priorités. Mais il y a lieu de réaliser que les diverses mesures prises sous son administration vont dans le sens de l'institutionnalisation de, de la corruption et dans le sens de la déstabilisation des institutions. Premièrement, il y a le limogage du directeur général de l'unité centrale de renseignement financier en euh, la personne de votre serviteur, sous la direction duquel un rapport d'enquête de blanchiment sorti contre lui a été expédié au parquet, lequel le euh, directeur général avait pourtant un mandat de, de trois ans. Deuxièmement, deuxième mesure. Instrumentalisation de sa majorité au Parlement pour tailler à l'UCREF une loi organique sous mesure qui lui enlève l'indépendance et l'autonomie d'action dont elle disposait sous l'égide de la loi du 26 février 2001 pour la mettre sous la coupe réglée de l'exécutif. Troisième mesure, licenciement du directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, le magistrat Lionel Constant Bourgoin, doté d'une forte personnalité et d'une compétence rare. Pour le remplacer par un cadre du parti Aïssé Tetkali. Quatrième mesure, c'est l'affirmation au cours d'une rencontre avec des membres de la diaspora haïtienne en France. L'affirmation du président, il a déclaré avoir été contraint par le CSPJ de nommer des juges corrompus, 50 juges corrompus, dans le système judiciaire haïtien. Affirmation en fait non sensée, vu qu'il revient au président de la République de se renseigner sur la moralité d'un juge avant de le nommer. Cinquième mesure, tentative de discréditer les deux audits de la Cour supérieure des comptes et du content administratif sur la gestion du Fonds péto-caribé en les taxant de rapports partisans. Donc, au niveau du judiciaire, comment les autorités judiciaires ont réagi aux allégations de corruption, le système pénal haïtien démontre quant à lui ses faiblesses face aux diverses dénonciations de corruption impliquant les autorités. Pour ce qui est... Des dossiers de corruption en général, aucune suite sérieuse n'est donnée aux divers rapports d'enquête transmis euh, aux différents parquets par l'ULCC. Au cours d'une intervention publique le 10 janvier 2007, le, général, le colonel Antoine Atouis, alors directeur général de l'ULCC, s'appelait de ce que 15 dossiers de corruption impliquant des personnalités politiques restent moisis dans les tiroirs du parquet de pau Concernant le dossier Pétro-Caribé, l'enquête piétine. Le juge en charge ne fait qu'éviter à son bureau les personnalités visées. Après plus d'une année, aucun acte d'instruction d'envergure n'est posé de nature à convaincre les Haïtiens de la volonté de la justice de sévir contre la dilapidateur du fonds Pétro-Caribé. D'ailleurs, le juge en charge de l'enquête euh, est l'objet d'une demande de saisissement de la part des citoyens se constituant en partie civile. Donc, il est clair que la justice haïtienne, pour être assujettie au pouvoir politique et indigente, n'est pas en mesure de contrôler la corruption, laquelle, comme nous venons de le souligner, a des effets néfastes non seulement sur la gouvernance, mais également sur les droits. Donc, euh, nous aimerions que notre confrère, Maître Mario Joseph, vous parle en, en général des violations des droits, des, des droits de l'homme en Haïti. Monsieur le Président, Messieurs et Dames, membres de la Commission, je suis Marie-Joseph, avocat et défenseur des droits humains et responsable du Bureau des avocats internationaux. Le Bureau des avocats internationaux est la principale organisation juridique haïtienne de défense des droits humains dont la mission spécifique est de veiller sur les violations subies par la majorité appauvrie qui s'enfonce dans, davantage dans la misère en raison de l'absence d'une politique sociale de l'État haïtien, capable de garantir des droits économiques, sociaux, culturels des masses rurales. Le BAI représente également les victimes de graves violations des droits humains par devant les cours et, et les tribunaux et les cours en Haïti. Durant plus d'un an, des dizaines de milliers de personnes sont descendues constamment dans les rues pour exiger des comptes sur le scandale petro et la démission de M. Jovenel, déjà inculpé dans le cadre d'un dossier de blanchiment des avoirs. Des manifestations massives, des sittings ont eu lieu en juin, en juillet, en août, en octobre, en novembre, en décembre 2018, ainsi qu'en février, juin et ce mois de septembre 2019. Ce mouvement de mobilisation qui vise à forcer principalement les dilapidateurs du, des fonds préto-caribé à répondre de leurs actes et est sans précédent au cours des dernières décennies en raison de sa persistance et de son large soutien. Malheureusement, la réponse de l'administration de M. Jovenel à ses revendications consiste à contrecarrer cette mobilisation nationale par la volonté démesurée, par la violence démesurée, l'exécution sommaire, la barbarie et l'intimidation de toutes sortes. Tel que décrit dans notre demande d'audience, les agents de la PNH la police nationale d'Haïti ont réagi brutalement d'une façon répressive, démesurée, systématique et face aux, manifesta aux manifestants. Pour prendre juste un exemple, en février 2019, les actes de répression des agents de la PNH ont occasionné 30, 34 morts et plus de 100 et blessés. Le BAI représente plusieurs manifestants qui sont victimes des actes de répression policière dans le contexte de de violence, de violation de leurs droits de liberté publique. Tel que décrit dans notre demande d'audience thématique ainsi que dans notre demande de mesures de précaution du 9 août dernier, il existe de fortes indications que des fonctionnaires de l'État ont participé dans la planification et l'exécution de massacres de 71 personnes à la saline. Le viol semble aussi avoir été perpétré d'une façon systématique lors de ce massacre. Des 23 femmes nommées et comme victimes dans la demande de mesures de précaution soumises par BAI et JDH devant la Commission, 43% sont victimes de viol. Et notons que la saline est un lieu de rassemblement important et pour les manifestations antigouvernementales. Et plusieurs victimes disent être ciblées en raison de leur implication dans l'opposition politique et contre M. Jovenel Moïse. Et malgré plusieurs rapports d'investigation et plaintes déposées par les victimes, il n'y a aucune indication de progrès dans le dossier du massacre de la Saline. À nos jours, deux responsables d'administration impliqués directement dans le massacre, le délégué du département de l'Ouest, M. Duplan, et le directeur général du ministère de l'Intérieur, M. Monchéri, n'ont été ni arrêtés ni renvoyés de leurs fonctions. Dans ce contexte, les mesures de précaution telles que sollicitées par l'IJDH et le BAI dans la requête du 9 août dernier sont d'une importance capitale. Telles que décrit dans notre demande, de nombreuses attaques ont été perpétrées contre les médias et des journalistes qui ont couvert des manifestations contre la corruption et l'impunité gouvernementale. Je vous réfère également à notre déclaration pour des détails plus approfondis. De plus, que nous avons soumis notre demande d'audience thématique. Deux autres attaques et armées ont eu lieu en juillet et en août contre des journalistes en Haïti. Les attaques contre les stations de radio ont également augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois. Et, télé et radio Télé Radio Zénith, Radio Voix Paysans du Sud et Radio Télémétropole. Le BAI assiste et représente plusieurs victimes, familles et, et ou et endroits des de victimes qui sont assassinées, qui sont assassinées, et notamment la famille du journaliste Rospide Pétion. Et le, le journaliste et Zachary Exil bastonné et arrêté emprisonné. Et des mesures et de nombreuses des membres de l'appareil judiciaire, plus particulièrement les membres de la Cour de, des comptes enquêtant sur les fonds pétro ont également subi des menaces, attaques et je vous réfère également à notre déclaration pour une explication approfondie. Par conséquent, le BAI est très inquiet face à la situation qui prévaut en Haïti. Les manifestants ainsi que des journalistes et des autorités qui ont contribué à l'enquête sur la mauvaise gestion des fonds pétro font face et constamment à des actes de répression violentes et sanglantes tels que bastonnades, etc. Donc le BAI craint que l'administration de M. Jouvenel ne provoque pas une situation de guerre civile en Haïti. Il regarde l'ampleur et au caractère sauvage et des répressions démesurées et systématique qu'elle utilise contre la situation. Siena. Alors, je demande la permission de la Commission pour deux minutes, simplement de faire une conclusion. Euh, je suis Siena Merop, avocate de l'Institut pour la Justice et la Démocratie en Haïti, l'organisation sœur du BAI. Vous avez entendu de mes collègues euh, de la réponse de l'administration Moïse au dossier Petro-Caribé ainsi qu'au mouvement social. Il me demeure à ajouter quelques mots sur l'impact de la corruption et de la réponse de l'administration sur les droits humains globalement. Comme a souligné la Commission dans la résolution 118, la corruption entrave les droits humains dans leur totalité ainsi que le droit au développement et l'état de droit. Cette observation fait sa preuve dans la situation présente en Haïti. Quant aux droits économiques et sociaux, premièrement, notons que le détournement d'au moins 1,7 milliard de dollars de la fonds de Pétro-Caribé destinée au développement social représente une grande occasion manquée d'investir dans les droits socio-économiques des plus vulnérables. Cela se déroule dans un contexte de pénurie sous-agissante énorme. Pour prendre juste une statistique, notons que 60% de la population d'Haïti vit sous le seuil de pauvreté de 2,40$ par jour. Deuxièmement, notons que la corruption patro-caribé ainsi que la, la réponse de l'administration Moïse aggrave la situation économique et sociale. Dans un contexte de mal investissement, la terminaison de l'accord de patro-caribé a contribué à un déficit budgétaire croissant au cours des deux dernières années, et à son tour a causé que le gourde a dévalué 40% dans la dernière année et l'inflation atteint 19%. Cette situation a été aggravée par l'élaboration de politiques économiques opaques et inefficaces, telles que la décision en 2018 de faire augmenter le prix du gaz au jour à jour, aggravant la situation économique et les frustrations sociales. Je vous réfère à notre soumission sur la page 8 à 10 pour les détails supplémentaires. Mais quel est le résultat? Comme toujours, les plus vulnérables payent le plus grand prix. Pour prendre encore juste une statistique, l'insécurité alimentaire a doublé dans la dernière année. Vous avez entendu de mes collègues l'impact de la réponse répressive de l'administration sur les droits civils et politiques ainsi que sur le système judiciaire. Cette dégradation de règles de droit affecte nécessairement à son tour l'accès à la population à la justice et encourage l'impunité, perpétuant un cycle de corruption et dégradant la possibilité de protection de tous les droits humains. Alors, pour conclure, disons simplement que la situation politique actuelle en Haïti crée des graves risques à court et à long terme pour les droits humains et risque de réverser le progrès fragile d'Haïti envers le développement durable. Dans ce moment critique pour Haïti, l'engagement de la Commission est indispensable. Dans ce contexte, nous demandons respectueusement à la Commission à mener une visite en loco en Haïti pour enquêter sur la situation et à mener un engagement approfondi avec le gouvernement d'Haïti pour assurer que celui-ci respecte ses obligations nationales et internationales envers les droits humains. Nous vous remercions. Merci eh, à vous. Eh, nous avons pas interrompre donné opportunité pour que vous extiendiez en deux minutes votre présentation. que en ares de la igualdad, les représentants du Estado ont jusqu'à 17 minutes pour faire leur présentation. Por favor, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je dois d'abord euh, me présenter. Je suis Paul Eons villa le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je suis accompagné de maître Franz Dossenville, le directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, de maître jean falière Basler, le représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de maître Dolma Anita, le représentant de la primature. Et je salue d'abord le président de la commission, ainsi que tous les autres membres de cette commission. Et je profite de ces, ce créneau pour saluer également les représentants de ces deux organisations des droits humains, deux organisations extrêmement importantes qui supportent très souvent l'État dans sa mission de protéger les droits humains dans le pays. Et, Conformément à l'article 66 du règlement intérieur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et suivant les audiences de la Commission, le Bureau des avocats internationaux et l'Institut for Justice and Democracy in Haiti ont sollicité une audience thématique devant la Commission pour attirer son attention sur un certain nombre de dossiers, notamment le dossier pétro-caribé, les allégations de violence contre les manifestants et la répression contre les journalistes et les juges qui enquêtent dans le cadre de cette affaire. En effet, selon le BAI et l'IJDH, l'affaire Petro-Caribé révélée en novembre 2017 constitue une grave crise impliquant en grande partie la classe politique du pays, car selon cette institution de hauts fonctionnaires et des administrations, de 2006 à 2016, ont participé à la disparition du fonds Pétro-Caribé qui tire les revenus d'un programme de prêts provenant de produits pétroliers accordés à Haïti par le Venezuela à un taux préférentiel pour que celle-ci puisse financer le développement socio-économique. Le gouvernement haïtien profite donc de cette occasion pour répondre et surtout clarifier la situation par rapport aux faits. Qui lui sont reprochés. Donc je passe tout de suite la parole à Maître Basley, l'un des membres de la délégation, pour vous donner lecture des réponses de l'État haïtien. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le BAI et l'IJDH considèrent que le gouvernement s'est montré réticent à punir les auteurs des actes de corruption. Et réplique violemment contre les contestataires lors des, lors des manifestations. Il demande en conséquence au gouvernement de la transparence dans les enquêtes et les poursuites. En ce sens, le gouvernement tient à apporter les précisions suivantes. La procédure devant conduire au procès pétro a été engagée. Les divers stades de la procédure ont été jusque-là respectés. Des fonds spéciaux ont été alloués à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par le gouvernement. En vue de faciliter la tâche aux vérificateurs et accélérer ainsi la production des rapports, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a déjà publié deux rapports d'enquête sur ce dossier. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince avait désigné un juge sur le dossier, lequel a envoyé un soir communiqué au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince le 22 mars 2018. Le juge désigné a communiqué son ordonnance au parquet le 31 janvier 2019. Le cabinet d'instruction est en train de mener son enquête et certaines personnalités ont déjà été entendues par le juge d'instruction dans le cadre de cette enquête. Différentes visites ont été réalisées par le gouvernement, notamment le 21 septembre 2018 et le 24 janvier 2019, dans le souci d'accompagner la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans sa mission de contrôle de la gestion des deniers publics, facilitant ainsi la reddition de comptes. BAI accuse le président personnellement d'avoir surfacturé le gouvernement sur un contrat de 100 000 pour l'installation des lampadaires en 2013. Il suffit de procéder à une analyse du seuil de passation de marché et des prix offerts par les différentes compagnies qui ont participé à l'appel d'offres pour conclure qu'il n'y a pas eu de surfacturation. En effet, conformément à l'arrêté du 9 janvier 2013 fixant le seuil de passation de marché public, le seuil de passation de marché à l'époque était de 20 millions de goudes. En conséquence, tout contrat de montant inférieur pouvait être conclu de gré à gré. Ainsi, le contrat des lampadaires mentionné par le BAI qui était de montant de 4 949 389 025 goudes est conforme à la réglementation en vigueur à l'époque. Pour ce qui concerne les contrats des lampadaires, il suffit de faire une comparaison entre les montants des contrats et les prix offerts par entreprise. Dans un lot de 20 contrats, pour un montant total de 569 86 407,30, une étude comparative des montants obtenus par chaque compagnie, dont l'entreprise El 133,620, 133 620, KGB Import-Export, Enersa et, -Ener et Buocad, l'entreprise Cofener, dont M. Jouvenel était actionnaire à l'époque, a offert le prix le moins élevé. Il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas eu de surfacturation en faveur du Cofener. Absence de coopération et protection des dilapidateurs. Le BAI et l'IJDH contestent la réaction du gouvernement qui, selon eux, ne coopère pas pour faciliter que les dilapidateurs soient responsabilisés, mais répond à ce scandale par des actes d'intimidation et de répression violente contre les manifestants. Il convient de préciser que le gouvernement, jusqu'à date, n'a ménagé aucun effort pour que les coupables soient punis par la justice. En témoignent les différentes visites réalisées par le Premier ministre d'alors. Dans le souci d'accompagner la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans sa mission de contrôle de la gestion des deniers publics, facilitant ainsi la reddition de comptes. À cet effet, il avait constitué un dossier contenant des différentes résolutions prises en Conseil des ministres dans le cadre de l'exécution des projets. De plus, pour prouver sa volonté manifeste de punir les dilapidateurs, des fonds spéciaux ont été alloués à la dite Cour par le gouvernement en vue de leur faciliter la production des rapports. Il reproche au président de la République le licenciement du directeur de l'ICREF pour le remplacer par quelqu'un acquis à sa cause. Le directeur a été remplacé conformément à l'article 136 de la Constitution. La liberté d'expression et de violence contre les manifestants. Le BAI et l'IGDH reprochent à l'État son inaction dans le dossier de la saline. Le gouvernement profite donc de cette audience pour exposer les différentes actions entreprises dans le cadre de ce dossier afin que justice soit rendue aux victimes. En effet, une fois les faits reportés, l'action publique fut mise en mouvement par le parquet près le tribunal de première instance de Port-Prince. Le dossier a été transféré au cabinet d'instruction qui mène son enquête. Trois rapports furent produits par la DCPJ en janvier 2019, en février 2019 et en avril 2019. Sur la base de ces informations, 16 personnes au, au total sont déjà arrêtées dans le cadre de cette enquête. Au mois d'avril 2019, un certain nombre de personnes ont été entendues. 74 plaintes ont été déposées par des riverains. 80 victimes ont été auditionnées et 5 autres personnes ont été arrêtées. Le 23 avril 2019, un troisième rapport fut produit et 98 personnes ont été indexées, dont deux hauts fonctionnaires de l'État. Il faut signaler que dans le cadre de cette enquête, tous les rapports produits par les organisations de droits humains telles que Fondation Géclairé et RNDDH, etc., et l'Office de la protection du citoyen, ont été annexés au dossier et transférés au cabinet d'instruction. En ce qui concerne les deux fonctionnaires de l'État, M. Fédéral Monchéri et M. Pierre-Richard Duplan, le dossier est au cabinet d'instruction depuis le 4 janvier 2019 pour les suites de doigts. Il appartient au juge, conformément à l'article 90 du Code pénal, de solliciter l'autorisation des autorités compétentes pour faciliter la comparution de ces deux fonctionnaires au cabinet d'instruction s'il l'estime nécessaire. D'ailleurs, depuis 2017, l'exécutif a toujours répondu favorablement aux demandes de des juges d'instruction quand il s'agit de fonctionnaires de l'État indexés par la justice. Le gouvernement fait face à deux types de manifestations, les manifestations pacifiques et les manifestations violentes, qui ont pour objectif d'interrompre l'ordre constitutionnel en Haïti. Dans les deux cas, ils ont toujours été encadrés par les institutions étatiques, notamment par la PNH, suivant les prescriptions de la Constitution. Attaque contre ceux qui enquêtent sur la corruption et en poursuivent les auteurs. Lorsque de telles situations se présentent, les autorités judiciaires y ont toujours donné suite conformément à la législation en vigueur. Ainsi, pour les cas suivants le cas du journaliste Osvid Pétion assassiné le 10 juin 2019. Le soir même, le constat a été fait par un juge de paix et, sur la base même de ce constat, le parquet a ordonné de diligenter une enquête policière. Cette enquête est en cours la DCPJ a procédé à l'arrestation d'un présumé assassin il est actuellement détenu pour être questionné. Le cas du journaliste du Nouvelliste, lestid Dorsin, abattu par des agents de la PNH le 9 juin 2019, une enquête a été diligentée par l'inspection générale contre les présumés policiers. L'enquête est en cours. L'augmentation des attaques contre les stations de radio. Ces stations ont été attaquées par des manifestants violents et, dans la plupart des cas, les propriétaires ont porté plainte. Les dossiers ont été déférés au cabinet d'instruction pour les suites de droits. Sur instruction du Conseil supérieur de la police nationale, la PNH a par la suite renforcé la sécurité de ces différentes stations. Autre cas de violence, menace contre les vérificateurs, supérieurs, contre les vérificateurs de la Cour supérieure des comptes et tentative d'enlèvement de deux vérificateurs par des hommes armés le 3 juin 2019. Une plainte a été déposée à la DCPJ dans le cadre de cette affaire et une enquête a été diligentée sur instruction du commissaire du gouvernement. Par la suite, le gouvernement a renforcé la sécurité physique des vérificateurs ainsi que celle du bâtiment logeant la dite cour. Autre priorité, le gouvernement apprécie le travail de la CIDH pour la défense et la protection des droits humains dans la région, notamment dans les domaines suivants la migration. Le gouvernement haïtien exprime son appréciation à la CIDH pour les rapports publiés sur la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et celle des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne rendus à Patry. Le gouvernement réitère sa volonté de coopérer avec la CIDH pour le respect de leurs droits inaliénables. Conformément à la Convention interaméricaine des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme, le gouvernement profite de l'occasion pour inviter la CIDH à accorder une attention spécifique à la situation des migrants haïtiens dans la région. Le choléra. Pour ce qui concerne le choléra, le gouvernement soumet à l'attention de la CIDH que plus de 900 Haïtiens ont trouvé la mort et plus de 900 000 ont été contaminés par la bactérie du choléra amenée en Haïti en novembre 2010 par les soldats de la MINUSTAH. L'ex secrétaire général de l'Organisation des États-Unis des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait promis de dédommager les familles des victimes décédées et de contribuer financièrement à l'assainissement et à l'éradication de la bactérie. Jusqu'à date, année 2019, les 900 familles des victimes n'ont pas été dédommagées. De plus, en ce qui concerne l'assainissement, les fonds sont nettement insuffisants. Le gouvernement ici apprécierait vivement que la Commission interaméricaine des droits humains accorde une importance spéciale à cette situation. Le gouvernement haïtien remercie la CIDH d'avoir convoqué cette audience qui lui a permis de faire la lumière sur certaines questions soulevées par les organisations de la société civile haïtienne. Il tient à souligner que, malgré les grands défis, il multiplie ses efforts pour améliorer la situation générale des droits humains en Haïti. La présidence de la République, le Premier ministre, les membres du cabinet ministériel, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, chacun dans la limite de ses compétences, travaille au renforcement des capacités de l'État. Le gouvernement, est à cet égard, et, 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 le, le, le gouvernement tient, et appuie, tient compte de l'appui que la CIDH voulait bien apporter et à ces initiatives. Le gouvernement haïtien réaffirme sa volonté de toujours prendre en compte les rapports de droits humains produits par les institutions nationales et internationales. Et de donner suite aux cas de violations soumis à, à son attention. Il reste ouvert et prêt à coopérer directement pour tout ce qui concerne la communication d'informations de toutes sortes sur l'activité gouvernementale en Haïti dans le domaine des droits humains. Le gouvernement haïtien souhaite qu'à l'avenir, une coopération s'établisse pour la communication régulière des formations dans les domaines des droits humains, en dehors même d'une quelconque demande de la part de la Commission. Dans ce contexte, le gouvernement prévoit la mise en place d'une table de concertation informelle permanente avec les secteurs intéressés. Et le gouvernement remercie, mesdames, messieurs, les membres de la Commission, de bien vouloir prendre acte qu'un document officiel et informel et formel de l'État haïtien a été préalablement déposé à l'administration de la Commission. Par la mission permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Toutefois, si vous avez des questions supplémentaires, nous sommes à votre disposition. Tienen todavía à disposition le temps, vous voulez l'utiliser, ou en concluent? Je veux juste apporter certaines précisions autour de ces deux dossiers. Brûlant. Donc, ce sont deux dossiers importants pour l'État haïtien, le dossier de la Saline et le dossier pétro-caribé. Et en tant que commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, là où les faits de la Saline se sont déroulés, au niveau du parquet, nous avons pris toutes les dispositions pour ouvrir une enquête autour de ces événements très important pour la justice. Et il ne faut pas oublier que les différents rapports produits par les différentes organisations nationales et internationales ont été intégrés dans ce dossier. Parce qu'en Haïti, ce qui est différent du système de common law, c'est qu'il ne revient pas au commissaire du gouvernement de mener toute l'enquête il y a un juge qui s'appelle le juge d'instruction qui est l'intermédiaire. Donc quand le dossier arrive au parquet, on doit transférer ce dossier au juge d'instruction pour l'enquête et que le commissaire du gouvernement revient à la charge à la fin de l'instruction du juge. Ça a été fait. Et d'autre en plus, nous avons pris des dispositions parce que nous savons pertinemment qu'en matière de crime, l'enquête est obligatoire. Et c'est pourquoi nous avons euh, pris certaines dispositions. Nous avons ordonné à la direction centrale de la police judiciaire de retourner sur le lieu où les faits se sont déroulés de, pour sécuriser la scène de crime, prélever les, les indices, prélever les traces et nous avons demandé à la police scientifique de nous produire un rapport au parquet de Port-au-Prince, ce qui a été fait. Et depuis le 4 janvier, ce dossier a été déféré par devant un juge instructeur. Donc c'est une précision importante pour comprendre véritablement l'implication de l'État et particulièrement le parquet de Port-au-Prince par rapport à ce dossier. Et par rapport au dossier Petro-Caribé, il ne faut pas oublier que l'État haïtien a ben, porté plainte. Au parquet de Port-au-Prince en février 2019. Nous avons analysé le dossier au niveau du parquet. Nous avons rédigé un acte important qui est le requisitoire d'informer dans le cadre de ce dossier. Là encore par rapport au crime financier, l'instruction est obligatoire. Étant donné qu'en Haïti, il ne revient pas encore une fois au commissaire du gouvernement de mener toute l'enquête judiciaire, nous avons transféré ce dossier au cabinet d'instruction et il y a présentement un juge qui travaille sur ce dossier et des auditions ont été faites. Muchas gracias. Le quiero dar ahora la parole à mes collègues Eh, la comisionada Flavia Puesan, por favor, Flavia. Muchas gracias. Mis buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a la representación de la sociedad civil, un saludo especial a la representación del Estado por las precisas informaciones, por las preocupaciones compartidas. Yo hoy tengo tres preocupaciones. La primera con relación a la corrupción, la denuncia de corrupción. Em fundo petro Petrocaribe, ah, os representantes da sociedade civil acordaram que a comissão adotou a resolução número 1 de 2018 sobre corrupção e direitos humanos, a corrupção como um fenômeno multifacético de natureza complexa, pero que constitui uma grave violação dos de direitos humanos per si sí e que impacta outros tantos direitos. Estamos a hora impulsando e finalizando o um informe regional sobre corrupção e direitos humanos, densificando, refinando os estándares interamericanos sobre este ponto. Então vocês me à a representação do Estado seria ah, ser é possível aclarar ah, as medidas legislativas, quais se há marcos normativos de combate e prevenção à corrupção, ou seja, garantizando a transparência e o manejo da coisa pública. As políticas públicas também de prevenção e combate à corrupção, además da resposta do sistema de justiça. Ou seja, quais são as políticas públicas e os marcos normativos? Minha segunda pergunta tem a ver com o direito à protesta. Ou seja, há números muito um, graves. Não? Temos aqui a denúncia que, em 13 de novembro de 2018, em virtude das protestas o resultado foi 71 pessoas perderam a vida, 14 feridas desaparecidas, além de casos de estupros. ¿no? Ah, e que também em fevereiro de 2019, houve enfrentamentos com a polícia, causando, além de 34 mortos e mais de 100 feridos. Então, a solicitude de aclaração, ou seja, tendo em conta... Os dramáticos números e de, 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 de as graves violações de direitos humanos, ele dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar, de um lado, ¿no? estas violações, e quais foram as medidas com relação ao uso desproporcional da de força. Então, duas perguntas, e a terceira que meu colega, querido relator de la liberdade, relator especial para a liberdade de expressão, mas também me chamou a atenção o tema da liberdade de expressão e medidas do Estado para proteger o exercício dos periodistas. Muito obrigada, senhor presidente. Gracias, Flavia. Comissionado Vargas. Muito obrigado. E... También saludo especial a los miembros de sociedad civil que han hecho las denuncias correspondientes y a los miembros del Estado de Haití. Pues ya la comisionada del país ha hecho referencia de manera muy puntual a temas que, pues la verdad, impactan. Impactan en cuanto al número de víctimas que han ocurrido en el desarrollo de las protestas sociales derivadas de la eventual corrupción en el caso Petrocaribe. Eh, sin embargo, hemos visto pues, dos posiciones totalmente distintas, antagónicas. Entonces, mientras la sociedad civil denuncia los hechos, puntualiza las cifras, me pareció que eh, la representación del Estado minimiza o trata de no visibilizar eh, esta, es, es, estas eh, cifras. Entonces, por esa circunstancia, en vista de que hay tanta dificultad para efecto de asimilar, cuál de las dos posiciones es la adecuada, pues sí sería muy importante que nos explicaran realmente qué es lo que ha ocurrido con las investigaciones que se hayan iniciado acerca de la masacre que ocurrió allá en la Salimne, eh, en qué estado se encuentran realmente las investigaciones, ¿Qué tantas, con, con qué tanta seriedad se han asumido y si hay miembros de la policía que estén siendo investigados, ¿en qué estado están estas investigaciones? Porque es que no puede ser que ocurran 34 asesinatos en esta masacre, que por lo otro haya más de eh, 70 eh, homicidios que se han presentado y eh, las cifras que nos presenta el Estado pues realmente no reflejan que haya un resultado. Eh, que, que denote eficiencia, eficacia en las investigaciones. Entonces, a ver qué nos puede informar el Estado acerca del, del momento procesal en que se encuentran las investigaciones, de si hay o no agentes del Estado vinculados a estas, cuál es el grado de responsabilidad que se ha podido detectar en esto y que nos, que nos quede más o menos claro. En segundo lugar, Sí sería bueno que el Estado también nos explicara qué medidas ha adoptado este, o sea, el Estado eh, para combatir la corrupción, para que no se vuelvan a presentar eh, actos como el que ha ocurrido con Petrocaribe, pues usted han dado las explicaciones correspondientes, pero que realmente esto no sea, no sea explicitado de manera muy contundente qué es lo que realmente ha ocurrido y finalmente pues realmente aquí tenemos aquí al relator de la libertad de información porque por supuesto que también nos preocupa el tema de la libertad de información cómo se ha garantizado realmente tanto que esta que es un derecho que, que, que tienen las personas como también el derecho a la protesta social eh, el derecho a la libertad de información esté realmente garantizado, que no vuelva a ocurrir eh, homicidios como el que ocurrió con el de Petion Rossfit, eh, que generó además un comunicado de parte de la mm, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como eh, el tema relativo a los defensores de derechos humanos, es decir, que se garantice tanto libertad de información como el trabajo. De defensores de derechos humanos. Entonces, nos agradaría muchísimo saber qué está haciendo el Estado de Haití para garantizar ambos derechos. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado. Por favor, el relato especial. Muchas gracias, Joel, el comisionado, y gracias a la, a la delegación de la sociedad civil y del Estado por, por estas informaciones. Mi intervención va en la misma línea que, que los comisionados y la comisionada Piovesan. Lo primero sobre el tema de corrupción, yo creo que va a ser muy importante de aquí en más las informaciones precisas que el Estado nos puede aportar para el monitoreo que la Comisión Interamericana está realizando. Me llama la atención muy fuerte eh, una, la denuncia de la sociedad civil de que la desaparición o el saqueo de las arcas públicas estaría en el orden de los 4.200 millones de dólares. Y me parece que sería interesante saber en, esta, en estos minutos y luego a través de información más precisa, si el Estado, digamos, eh, está de acuerdo con esta afirmación, porque no estamos hablando de un hecho sofisticado en ese sentido de corrupción, estaríamos hablando de un hecho que el Estado podría darnos ya elementos de las primeras investigaciones administrativas, no judiciales, de que esto ha sido así, porque si desaparecen 4.200 millones de dólares, quiere decir que eh, debe haber eh, ya información, acceso a la información eh, que podemos conocer tanto la sociedad como la comisión de cuál es la posición del Estado. Desapareció ese ese, ese ese monto. A mi juicio no alcanza con que nos digan, se lo pasamos a la justicia, dimos cuenta a la justicia. Debería, debería el Estado ofrecernos información de, mire, efectivamente esto no es así, es una exageración, o este, efectivamente faltó dinero en tal y cual programa. Me parece que sería muy útil en ese sentido. Lo segundo sobre el, el manejo de la, de, la, de la protesta, también llama la atención, en dos ciclos de protestas estamos hablando de 100 personas que perdieron la vida en el marco de las protestas, si no entendí mal, en, en, entre 2018 y 2019. ¿El Estado confirma que fallecieron 100 personas en el marco de protestas? Porque creo que ese es un número que no se necesita tener una investigación judicial, con la investigación interna administrativa ya se debería saber. ¿Y cuántos policías eh, perdieron la vida en ese ciclo de protestas? Porque esa relación siempre habla de si uso, hubo, hubo uso excesivo de la fuerza o no. Si ustedes me dicen, bueno, no hubo policías prácticamente que hayan perdido la vida en el, en el marco de protestas, pero sí 100 ciudadanos, quiere decir que hubo uso excesivo de la fuerza. ¿no? Entonces, este, sería bueno ahí saber eh, qué posición tienen al respecto y si lo podemos saber hoy. ¿no? Y finalmente, este. También mencionar el caso de los periodistas, por supuesto, y, y los y los medios de comunicación atacados. Y aquí recordar que esto lo ha dicho la comisión en, en, varios, en varios informes, que no alcanza con poner en conocimiento de, la, eh, de, de, de las autoridades judiciales que hay un hecho eh, digamos donde un periodista perdió la vida. Es decir, la, la, la Corte Interamericana ha condenado a, a distintos estados por la falta de identificación y sanción. De quienes asesinan a periodistas para silenciarlos. Entonces quería saber con precisión si ya hay algún autor material o intelectual identificado por el asesinato de, del periodista este, petión o este, si estamos todavía en una situación de impunidad en ese sentido. ¿no? Este, y también eh, le pediría, eh, tal vez podemos hablar un poco después de la audiencia, este, no teníamos fuera un poco del radar las agresiones o ataques contra medios de comunicación, o sea que cualquier información de los datos de tanto de la sociedad civil como del Estado, de qué estaciones de radio han sido atacadas y, y, y quiénes son los agentes o, o presuntos agentes de esos ataques va a ser muy importante. Gracias. Yo solamente tengo un punto que hacer y es en atención a una solicitud que hacen eh, los peticionarios de que la comisión realice una visita in loco. La comisión estaría muy interesada en realizar esa visita in loco y nos ponemos a las órdenes del Estado para que en cuanto nos otorguen su consentimiento podamos nosotros realizarla. Dicho esto, eh, vamos a dar eh, la palabra a ambas partes, cada una hasta por siete minutos para su réplica. Por favor, eh, los peticionarios. Oui, alors, et merci, M. le Président de la Commission, et les membres de la Commission. Il y a effectivement euh, un cadre norma normatif et, pour, en fait, traiter pour réprimer le phénomène de la corruption euh, en Haïti. Il y a des textes qui ont été élaborés, il y a des institutions. Mais euh, euh, ce cadre normatif, ce cadre décisionnel n'existe que de nom. Que de nom. Dans la pratique, euh, donc, euh, dans la pratique, euh, la corruption, en, fait, en fin de compte, est, est institutionnalisée en Haïti. C'est institutionnalisé. C'est clair. Par exemple, quand on est, on est euh, membre du gouvernement, quand on est proche du gouvernement, on peut se permettre de détourner de des fonds. On peut se mettre de commettre des, des faits de dilapidation, etc. Donc, c'est l'impunité, c'est l'impunité totale. Tout à l'heure, le, le président du gouvernement a, parlé de, a, a fait savoir qu'il n'y a pas eu de sous Donc, ce que j'aimerais, dire à l'attention des membres de la commission, c'est que il y a son appel saucissonnage et, 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 en, en doigt, saucissonnage. C'est que effectivement, comme vient de le souligner un des membres euh, du gouvernement, il y a cette arrêté qui prévoit le seuil, seuil de passation de marché, 20 millions de gouttes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a euh, fait des contrats de 19 millions pour qu'on n'ait pas à et, comment et à, et, et, à subir la loi. De passation de marché. 19 900 000 À partir de ce moment, qu il n'y a pas de passation de marché. Le contrat se fait de gris à gris. Donc, c'est ce qui est arrivé et à M. Jovenel Moïse. C'est que ces contrats, les contrats, qui ont été passés en sa faveur. C'était des contrats de gris à gris, mais c'est 19 millions combien, juste pour éviter et ce qu'on appelle la passation de marché, qui est de 20 millions de goudes pour les contrats de travaux publics. Ensuite, il y a ce qu'on appelle violation euh, des règles de passation de marché aussi. C'est que euh, M. Jovenel Moïse a, a reçu. A reçu de l'argent de l'État avant même que le contrat ait été signé, avant même la signature du contrat. Donc, il y a un processus pour arriver, et pour arriver à l'exécution du contrat. Donc, malheureusement, avant même que le contrat ait été signé, il y a de l'argent qui, qui, qui a été versé. Donc, c'est pourquoi la Cour des comptes a conclu qu'il y, eu, euh, qu y a eu ce qu'on appelle euh, violation. Dès que le passage du marché, il y a eu un euh, détournement de fonds de la part de M. Journal Moïse. Il revient maintenant à la justice d'établir, en fin de compte, de, et clairement les faits. Et, mesures prises par l'État pour euh, combattre la corruption. Donc, il n'y a aucune mesure n'est prise par l'État pour combattre la corruption. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, tous les faits de corruption qui concernent les autorités publiques, ces faits-là, il n'y a pas de poursuite réelle. Il n'y a pas de poursuite réelle pour ces faits des de sénateurs proches du pouvoir. Par exemple, il y a un sénateur qui, euh, euh, qui, est, qui, qui a été reproché, qui est reproché de faire de détournement de fonds. C'est un sénateur proche du pouvoir. Sénateur, au nom, au, nom, au nom de Dieu, lui. Mais en fin de compte, il n'est pas poursuivi parce que c'est un sénateur proche du gouvernement. C'est juste pour vous dire que effectivement les lois existent, effectivement, les institutions existent, mais en fait, en réalité... Il n'y a pas de lutte contre la corruption en Haïti. Très bien. Merci. Et nous prenons acte et des déclarations du gouvernement haïtien. Cependant, nous tenons à souligner et des points d'ombre et des non-dits. Nous prenons le cas, par exemple, de la Saline. Le commissaire du gouvernement, je souligne que le commissaire du gouvernement, qui est censé être l'avocat aussi des victimes et peut-être dans le cafou et dans le cafou et des doigts humains par exemple. Et il a il a dit il y avait 16 personnalités des victimes sont sont auditionnées. Nous sommes là dans la salle trois avocats des victimes euh, et du massacre de, de la saline. Et nous n'avons jamais assisté depuis le massacre à, au, au cabinet d'instruction soit au parquet aucune et des victimes. Et en plus, il y a les membres les deux membres du gouvernement qui sont, et qui sont en fait ciblés, cités dans différents rapports, soit RNDH et, et, et euh, Fondation Géclairé et même la DCPJ, et bien ces gens-là sont encore dans leur fonction et continuent à harasser et et à les victimes. Et sur, et vous avez bien et, et constaté que sur la liberté d'expression, que rien n'a été fait. Et vous avez vu, et comme et les répressions, comme nous l'avons dit dans notre déclaration d'abondance, et, 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 et la disproportion dans les, les attaques, il n'y avait pas eu de policiers. Tu es de l'autre côté, c'est toujours dans le camp des manifestants et c'est nettement constaté. Et le gouvernement a parlé concernant euh, les stations de radio qui sont sécurisées. Nous prenons acte car nous le savons, c'est vraiment pas la réalité. C'est pas la réalité car il y a toujours et la radio télévisée qui sont toujours sous les menaces et, et Toujours euh, les ondes ou bien leurs les fréquences sont et menacées toujours par il y a aussi et la radio Kiskea qu qu qui a été incendiée. Qu'est-ce que l'État a fait Quelle poursuite Qu'est-ce qu'il y a Donc c'est aussi des questionnements, vous, vous les avez faites, et vous les avez fait mais jusqu'à présent, nous autres n'avons pas de, de réponse. Car l'État, c'est... Est comme euh, euh, le prédateur de ces droits dont vous venez de, de citer, de parler, de mentionner. Mes collègues l'ont bien dit. Euh, oh, je, je suis. Une minute je soulignerai simplement que nous avons beaucoup entendu des ressources et de le support pour le cour de compte mais au même moment le président lui-même quand impliqué par le cour de compte rejette ce document comme un document politique alors comment les deux choses peuvent être la vérité au même moment euh, mes, mes collègues ont bien expliqué toutes les précisions demandant par la Commission. Euh, il me reste simplement à dire que nous sommes très, très heureux d'entendre de la volonté de la Commission de faire une visite en locaux et nous attendons avec grande impatience l'invitation du gouvernement. Merci. Tiene la parole à la représentation de l'État. Je. Je remercie encore une fois les membres de la commission pour le sens de l'équité en termes de parole. Et j'aimerais tout d'abord faire le point sur le cadre normatif en matière de corruption en Haïti. Et là encore, je, je dois faire appel, je dois faire un, un rappel sur le système judiciaire haïtien. Qui est un système romano-germanique, où on accorde beaucoup d'importance à l'écrit. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a un juge intermédiaire, contrairement au système Common Law, c'est le juge d'instruction. Et que le parquet n'a pas beaucoup de temps pour analyser un dossier. C'est le juge d'instruction qui doit mener son enquête. Le parquet n'a qu'à rédiger son réquisitoire d'informer et saisir le juge d'instruction. Et pour les différents dossiers, moi-même, j'ai prêté serment comme commissaire du gouvernement au paquet de Port-au-Prince le 18 décembre 2018. De 18 décembre à août 2019, j'ai transmis moi-même au juge d'instruction près de 30 dossiers de corruption venant de deux organes importants de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, et de l'Ucref. Et nous avons avec nous, heureusement, M. Jean-François, un ancien commissaire du gouvernement, comme moi, un ancien directeur de l'unité de lutte, un ancien directeur de, 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 de l'une des entités, l'Ucref, de la lutte contre la corruption. Donc, il sait très bien de quoi il parle quand il parle de corruption. Et je profite de cette occasion pour le remercier de sa participation à cette lutte. Donc, il y a une loi de 2014 sur la corruption. Et cette loi a été votée au niveau du Parlement. Mais effectivement, je ne peux pas dire que tout est rose, que le gouvernement est en train de combattre la corruption dans toute sa forme et teneur. Ça, c'est, je dois dire, la vérité. Et Haïti fait partie des pays où la corruption bat son plein. Mais effectivement, mais il faut dire aussi, il faut dire la vérité, que ces cas ont été déférés au cabinet d'instruction. Le problème qu'il y a, c'est que parfois avec les contraintes au niveau du système, les juges prennent beaucoup de temps pour terminer leur enquête. Mais cela ne revient pas seulement au parquet de diligenter l'enquête, il revient aussi au cabinet d'instruction. Si vous permettez, encore sur le dossier de, de la saline, moi-même comme commissaire du gouvernement, j'ai pris toutes les dispositions. Encore une fois, je sais qu'en matière de crime, que l'enquête est obligatoire. Et le, la direction centrale de la police judiciaire, c'est l'un des bras armés du commissaire du gouvernement et ces enquêtes ont été diligentées, on a été sur les lieux de l'événement, maintenant il revient au juge d'instruction de faire tout ce qui existe dans le cadre de ce dossier, ça ne revient pas au commissaire du gouvernement et jusqu'à présent nous attendons la fin de l'enquête du juge d'instructeur au niveau du parquet de Port-au-Prince pour la suite de ces dossiers. J'aimerais ajouter que il y a un point qui est essentiel et que euh, les organisations de droits humains manquent-elles là-dessus, c'est le cas des deux hauts fonctionnaires. Vous savez que l'article 90 du code, de, du code pénal accorde la possibilité au juge d'instruction de solliciter l'autorisation pour qu'il puisse continuer à enquêter sur ces monsieur-là. Donc il faut une demande d'autorisation, parce que l'article 90 vous dit que le juge, l'officier public, ne peut pas, sans autorisation, soul et, et, et faire des actes contre ces messieurs-là. Donc, il revient au magistrat instructeur de produire une demande d'autorisation pour qu'il puisse poursuivre ce dossier-là. Si vous voulez, si, si vous permettez, j'ajoute également que... L'ex-ministre des Affaires sociales du gouvernement de la République, je veux parler de M. Roosevelt Bellevue, son dossier, tout en étant membre du gouvernement, son dossier a été déféré au cabinet d'instruction par l'unité de lutte contre la corruption et le parquet a traité ce dossier qui se trouve encore au cabinet d'instruction qui est un juge séparé du parquet. Sur, sur la question de surfacturation. Pour le dossier, de, le dernier dossier soulevé par les membres des organisations des droits humains, le dossier du sénateur au nom de Dieu, j'aimerais faire un point là-dessus. Ce dossier a été, une enquête a été diligentée par la direction centrale de la police judiciaire, déférée au parquet, encore une fois, comme l'enquête est obligatoire dans le cadre de ce dossier. Ce dossier a été déféré au cabinet d'instruction et il y a un juge d'instruction qui travaille sur le dossier actuellement. Pour la radio Kiskeya, pour l'incendie de la radio Kiskeya, le soir même de l'incendie, le commissaire du gouvernement était sur le lieu de l'incendie. On a demandé à la police scientifique de la police judiciaire de diligenter une enquête, prélever et certains spécimens. Et ces spécimens et sont, ont, ont été analysés au niveau de la direction centrale de la DCPJ. Et encore une fois, l'enquête est en cours. Pour les victimes, je veux préciser, et effectivement, et comme l'a si bien souligné Maître Mario Joseph, les victimes n'ont pas été auditionnées au parquet. Et je ne dis jamais que ces victimes ont été auditionnées au parquet. Je disais tout simplement qu'il y a un juge d'instruction qui travaille sur le dossier et des auditions ont été faites par le juge d'instruction et non pas par le parquet, en termes de rectification. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero eh, concluir ya esta audiencia primero agradeciendo a las organizaciones solicitantes por haber traído uh, este tema a la atención de la comisión. Para nosotros es muy importante, es muy importante dar un monitoreo muy cercano a la situación de los derechos humanos en, en, en Haití. Hemos venido siguiendo los últimos eh, acontecimientos, hemos expresado comunicados de prensa, pero este es un, un ambiente... Eh, único para que podamos recibir información eh, de, 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 pro, de mano directa. Pero al mismo tiempo, quiero agradecer la, la presencia aquí de la eh, representación del Estado haitiano eh, y agradecerles las explicaciones que nos han, nos han ofrecido para entender mejor eh, en qué estado se encuentran tanto las investigaciones por los supuestos actos de, de desvío o de desfalco, pero así también como eh, las medidas que están ustedes tomando para la prevención. El, el tiempo nunca es suficiente. Nos hubiera gustado eh, abordar con un poquito más de detalle la cuestión relativa a las garantías para que eh, haitianas y haitianos puedan ejercer su derecho a la protesta este, pacífica, eh, así como también la protección a los este, comunicadores. Eh, pero estamos nosotros abiertos a poder seguir, seguir recibiendo información este, de ambas partes para un mejor entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos es importante esto? Porque en, en la Comisión tenemos una responsabilidad especial Haití, con Haití. Una responsabilidad especial de acompañar los esfuerzos nacionales para el goce pleno de los derechos humanos. Y ahí que queda sobre la mesa esta, esta disposición de nuestra parte de poder realizar pronto eh, una visita al país para hacer un diagnóstico y a partir de ahí hacer recomendaciones que eh, cuando vamos a un país y, y, eh, y hacemos estas recomendaciones como parte de nuestro informe, eh, lo, lo queremos ver como un, eh, una hoja de ruta para que eh, tanto autoridades como sociedad civil puedan ir de la mano avanzando en los distintos este, desafíos. Así que esta, esta conversación no termina, la audiencia sí, por, eh, por razones del tiempo, eh, y, con, y continuamos en 10 minutos en esta misma sala. Muchas gracias a todas y a todos.